Bonsoir, direction Montpellier où nuages éclaircis se sont partagés équitablement le ciel aujourd'hui. Du côté des températures, on a relevé 15 degrés, ce qui se rapproche progressivement des moyennes de saison. Et le système dépressionnaire présent depuis quelques jours migrera vers les côtes norvégiennes, déplaçant son front froid vers notre territoire. Et du côté des températures, elles seront assez stables par rapport à la veille. Avec 1 degré attendu à Grenoble, il fera 3 degrés à Tarbes, 4 à Mulhouse, on relèvera 5 degrés à Dijon, 6 à Ajaccio, il fera 7 degrés à Limoges, 8 à Metz. On attend 9 degrés au Mans, 10 à Abbeville, il fera 11 degrés à Brest et 12 degrés à La Rochelle. Alors dans la matinée, nous verrons le front froid onduler du centre-ouest au nord de l'Alsace et la Lorraine. Dessous, le ciel sera encombré et pluvieux. De part et d'autre, les nuages resteront nombreux. Un petit peu de pluie aussi sur le nord-Pas-de-Calais. On attend de belles éclaircies sur la Corse, la Côte d'Azur et le Nord-Ouest. Quant aux rafales de vent, elles souffleront entre 50 et 90 km à l'heure sur la moitié nord de la carte jusque dans l'après-midi. Le front avancera légèrement, glissant sur la Franche-Comté. On notera des précipitations sur les Bouches-du-Rhône et de l'Ille-et-Vilaine à l'heure. Le ciel sera encombré sur les trois quarts du pays. La douceur sera toujours d'actualité dans l'après-midi puisqu'on attend 15 degrés à Biarritz, il fera 14 en Corse, 13 degrés à Nantes, 12 à Clermont-Ferrand. On attend 11 degrés à Rouen, 10 du côté de Strasbourg, il fera 9 à Grenoble et comptez 7 degrés pour Dijon. Vendredi, une nouvelle perturbation s'invitera du nord-ouest aux Ardennes, apportant des nuages, des précipitations et des rafales de vent. L'ancienne perturbation glissera encore du sud de l'Aquitaine à Rhône-Alpes. Samedi, la plupart des régions bénéficieront d'un temps sec. Il y aura bien quelques averses sur le centre-ouest et le long des bords de Manche. Sur la moitié nord de l'Hexagone, le ciel restera nuageux. Tandis que plus au sud, le soleil s'imposera. Dimanche, une perturbation arrosera les régions situées entre le centre-ouest, le nord-est et les Alpes du Nord où il neigera. Les bords de Manche resteront sous la grisaille et les averses. Et entre les zones perturbées, le temps sera ensoleillé. Et nous débuterons ce premier jour de l'année 2024 dans une ambiance assez mitigée. Un front envahira la moitié ouest de la France, apportant un ciel très chargé avec pas mal de pluie. Mardi, les nuages seront majoritaires et des averses éclateront surtout des Pyrénées aux frontières de l'Est ainsi que des Côtes d'Armor au littoral du Nord. Les précipitations seront hivernales sur tous les massifs. Mercredi, le temps sera sec et les périodes de soleil assez larges sur le sud du pays, mais aussi sur l'Est. En revanche, on conservera des nuages sur un grand quart nord-est avec même des précipitations sur la pointe bretonne. Et vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6meteo.fr. Ce soir, ne manquez pas Qui peut nous battre? Mais avant cela, le 19h45. Très belle soirée à tous.